le dimanche, de 20h à minuit. Toute la semaine, 22h, 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, c'est parti, on y va. Prépare-toi à frapper. Allez, c'est parti, ça sonne. On t'écoute. Allô? Allô, Viviane? Qui? Tu m'entends, Viviane? Qui? T'arrêtes de crier, Viviane, avant que je m'énerve et que je rentre chez toi pour te faire du mal, Viviane. Ouais, arrête tes conneries, guignol. C'est qui? Écoute-moi bien, Viviane. Je suis devant la porte et je suis venu te faire du mal. Je vais frapper deux fois à la porte maintenant. Oui, bien sûr. Guignol. Je vais frapper à la porte maintenant. Qu'est-ce que tu veux là? Je vais te mettre un coup de tronçonneuse dans la tête. Ouvre-moi la porte. Oui, t'as raison, moi. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi. Ouvre-moi la porte, je t'ai dit là. Ouvre-moi la porte. Ouais, Guignol, arrête, c'est toi, j'ai plus de téléphonerie là, Yuri, c'est toi. Mais... Allô. C'est quelque chose qui te dépasse, tu ne peux pas comprendre, allô. Viviane. Viviane, arrête de crier, bordel de merde. Je dis des paroles, qui c'est ça? Va voir dans le paquet de Frosties. Si tu veux voir, dans les Frosties, tu veux quoi ta grand-mère? Tu veux quoi, c'est qui ça? Va voir le paquet de Frosties et ferme ta bouche. Bouge tes petites fesses, Viviane, et va voir le paquet de Frosties. Dépêche-toi. Arrête de faire la belle, Viviane. Ce soir, je vais t'enlever la vie. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi les Frosties? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde à l'intérieur. Tu vois, il y a des Frosties, si tu veux qu'il y aille. Regarde dessous. En dessous, hein, quoi? Il y a de la cocaïne dans de l'enveloppe, normalement, de la cellophane. C'est quoi, ça? C'est de la drogue. C'est qui a mis ça là? Viviane, si j'appelle la police maintenant, tu prends au moins 10 ans de prison. Oui, guignol, c'est quoi ça? C'est qui qui a mis ça là? C'est des conneries, ça, Viviane, c'est quoi? Viviane, je suis rentré chez toi et j'ai déjà caché de la drogue un petit peu partout. Alors soit tu me donnes ce que je veux, soit je te tue, Viviane. C'est qui ça? Viviane, ça, fou, hein? Je suis devant la porte, je vais frapper 3 fois maintenant. Ouvre-moi la porte! Non, j'ouvre pas la porte! Ouvre-moi la porte, je te dis, là. Non, qui c'est? Je vais prendre mon fouet. Tu peux arrêter de t'aider. J'ai une tronçonneuse. Je vais te couper en deux, Viviane. Oui, c'est bon, je vous dis bien. Arrête de faire des conneries, c'est toi, Yuri, arrête. Viviane, arrête de m'énerver ou je vais vraiment péter un câble. Tu veux que je te dise? Arrête, c'est qui fait ça? C'est l'agence d'investigation de la sécurité publique et de la sécurité intérieure, Viviane. Qu'est-ce que tu racontes, guignol? Ton fils, Yuri et ton fils Starsky ne sont pas du tout, en fait, leur métier est agent secret. Qu'est-ce que tu racontes? Ils travaillent pour le gouvernement depuis plus de 6 ans maintenant. Qu'est-ce que vous me dites? Vous trompez, mais vous trompez personne, monsieur. Viviane, je sais tout de ta vie. Je sais que tu es avec Gino en couple. Je sais que tu as la petite Stressy. Je sais que tu adores te promener dans les brocantes, que tu es fan de Georges Clooney, que tu es maniaque et que tu fais souvent le ménage. Je sais aussi que tu as un chien qui s'appelle Goten, un chihuahua gris. Je suis déjà rentré dans ta chambre, je connais le salon. Arrêtez, je me trouvais mal, arrêtez de faire ça. Dites-moi qui fait des conneries là. Je sais que t'as une cuisine en bois, je sais que t'as un terrain avec plusieurs caravanes. Arrêtez. Tu crois quand même pas que tes enfants gagnent leur vie par hasard? Je travaille pour l'agence de récupération des produits terroristes et la direction de la sécurité intérieure-extérieure. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu me rendes le paquet qu'il y a dans le... truc de céréales, Frosty. Mais je l'ai mis, vous le récupérez comment? Tu vas m'ouvrir la porte, sinon je suis obligé de te tuer. Mon Dieu. Attends, je parle actuellement au Mossad, le service secret israélien. Ils sont sûrs de toi, ils ont une lunette qui est braquée sur toi, alors soit tu ouvres, soit on rentre. Mais allez vous faire voir, allez vous faire enculer, tiens. Il y a 2 minutes, t'étais à la limite de te sentir mal, arrête de faire la maline. Oui, ça va, laissez tomber, laissez-moi tranquille, allez, je vois bien que c'est des conneries, vous me faites des conneries, là, c'est qui? C'est toi, Yuri, c'est qui me fait ça, là? Je suis avec l'agent numéro 2. On perd du temps, là, on va perdre la file. Maman. On va être obligé, agent numéro 3.
On va bientôt tirer. Oui, oui, bien sûr, numéro 3, mais vous croyez là. Je travaille pour la département du sécurité et du renseignement, la cellule antiterroriste. Pas d'erreur, mais je vous ai trompé là, c'est pas. Je suis en liaison avec la DGSE, la CIA, la CIA et la NSA. Non, vous n'êtes pas dans la bonne personne, monsieur. Ton fils a récupéré une clé USB dans la rue, on peut le suivre par satellite. Il est extrêmement important pour nous de récupérer cette clé USB qui contient le code d'un arsenal chimique en Ukraine. Mon Dieu, mais je ne comprends rien du tout ce que vous me dites, monsieur, je ne comprends rien du tout ce que vous me dites. Écoute-moi bien, Viviane, je vais prendre une perceuse et je vais te l'enfoncer dans la gueule. Mon Dieu, non. Mais alors, tu dois pas le faire, toi. Vas-y, viens, approche-moi, tu vois. Je prends le couteau, je te plante. Je te plante, moi. Je vais prendre une scie et je vais te couper les doigts, comme je l'ai ouais, fait. Ouais, bah, j'ai coupé les couilles, moi. Je l'ai déjà... Je l'ai déjà fait à Stressy, malheureusement, elle a deux doigts en moins. Oui, bien sûr, oui, Stressy, la petite, elle est pas là, elle est partie au restaurant, elle va veut. Dis au revoir à ta mère, Stressy. Maman. Ouais. C'est Stressy, donc. Si, si, c'est Stressy. Je vais devoir lui couper deux doigts. Mon Dieu. Dis au revoir à ta mère, Stressy. Maman, aide-moi. C'est qui, Stressy? C'est pas Stressy, c'est toi, Stressy. Stressy, ils m'ont enlevé, maman. Mais non, c'est pas vrai, ma petite, arrête-toi avant. Où c'est que tu es, Stressy, là? Allez dans ma camionnette avec le reste de la SIA, FBI, NSA et tout le service du renseignement intérieur. Je vais être obligé de lui couper un doigt toutes les minutes, donc tu n'ouvres pas la porte. Mets le petit doigt ici. Allô? Dépêche-toi de me donner maintenant. Ouvre-moi la porte et dépêche-toi. Donner quoi? Je suis en train de... Je vais devoir prendre une perceuse et la rentrer dans ses genoux. Arrêtez. Dépêche-toi. Viviane, viens m'ouvrir la porte, dépêche-toi. Viens m'ouvrir la porte. Je frappe la porte, ouvre-moi la porte. Viviane. Viviane, c'était une blague. Du lundi au jeudi, c'est Guillaume Radio 2.0. 22h01 sur Énergie. C'était une blague, Viviane. Oh là là, je vais me faire engueuler moi. Hé, Viviane. C'est quoi? On est en direct à la radio sur Énergie, Viviane. Bonsoir. Pourquoi vous faites ça à moi, bébé? Oh là, on a pas compris. Elle a dit plein de fois. Pourquoi vous faites ça? Mais parce que c'est votre fille qui voulait vous faire peur. C'était un jeu. Vous avez trompé, je m'appelle Maïli. Ah merde, c'est ta soeur, Stressy? Bah ouais. Ah merde, qu'est-ce que je dis? Merde. Eh ben je suis teubé moi, pardon, excuse-moi. Oh là. Et le but du jeu c'est de faire peur à quelqu'un, mais enfin, elle m'a dit ma mère elle a pas peur de rien. Là, vous avez ma mère, et c'est vrai qu'au début vous aviez pas peur hein. Vous y alliez en frontal. Ah bah ouais, vous nous insultiez, je me suis dit on va pas avoir peur et d'un coup c'est venu quoi. À partir de quel moment vous y avez cru? Mais je sais plus comment vous avez aidé la perceuse dans les genoux là. Ah. Bon, on vous fait des gros bisous. Et on s'excuse, Viviane. Désolé, hein. On pensait pas que vous alliez avoir peur, vous, parce qu'apparemment vous aviez une grande bouche et que vous aviez peur de rien. Ouais. Oui, pourtant j'ai de la gueule d'habitude. Ah, bah oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Bah, on s'excuse en tout cas, Viviane. Ça nous met mal à l'aise là. Ouais. On vous fait des gros bisous, Viviane, d'accord? Au revoir. Allez, moi aussi, alors allez, vas-y. Au revoir. Bonsoir, jeune gueuse. Clique sur la gauche pour voir Norman qui a osé prendre la place de Guillaume. Ou clique sur la droite pour voir la fille qui a appelé son papa pour lui annoncer qu'elle s'est faite souiller par 17 garçons. Et si toi aussi tu aimes les vidéos de ce jeune saltimbanque de Guillaume Radio 2.0, ce trou de balle, ce troufion, sur la radio Énergie, abonne-toi à la page Guillaume Play. Fissa, Brian. Bah oui, madame la comtesse. Je viens de marcher sur une cacahuète. Ne vous inquiétez pas, je viens décacahuétiser votre semelle. Merci, Brian, merci. Retrouve Guillaume sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Tape Guillaume Play pour nous retrouver.